Ils sont mis, on travaille les bureaux de l'histoire de l'UFC et comme on l'avait prédit, les featherweight, les plumes et... C'était Tony Ferguson. Exactement. Il va affronter, voilà, et le combat d'ailleurs c'est jamais fait. Roi des frasques, mais un roi calmé. Enfin, on va voir comment ça va être. Dolby et Colin Burn qui ont avoué que pour la première fois ils ont mis un aujourd'hui pour yeah. Un garçon aussi rejeté par l'école, il ne supportait le 11. Rendez-vous compte, ça fait 9 ans qu'il combat à l'UFC, ça fait 9 ans qu'il se frotte au meilleur. Il y a des combattants qui ont plus de... C'est indéniable. Hein. Le tail of the tape avec un avantage d'un... Main event of the evening, Dean. This championship five rounds in the UFC. C'est important de diversifier son et il le colle contre la cage. Alors tout de suite on a vu un Connor bien sûr le rêve guerre dès le début face à Connor McGregor. Et écoutez, allez fameux coup d'épaule. Attention aux sorties hein, voilà, ouais. Et au air. Mais Poirier, qu'est-ce qu'il est solide. Très bien. En fait ça marque Fabrique, hein, c'est coup d'épaule. C'est ce que lui dit son coin d'ailleurs. Hein. Break si tu veux breaker. Ah ouais, il peut sortir là. Allez, à distance. C'est là où c'est dangereux. Et il essaye de rentrer, il a bien encore une fois la vitesse de Connor McGregor. Et puis il travaille sur tous les angles. Il revient, il revient à la tête avec la droite. Je suis très ouais, est-ce qu'il n'est pas encore un peu sonné, monsieur Schmi? Je t'ai eu travailler avec le low kick. Intéressant, c'est que. Ah, ça va vite. Il est derrière ses frappes. Il lui dit, moi aussi, tu vois, je rentre. Oh, quelle première reprise, le voir comme ça, rapide et efficace. Le trademark, le coup d'épaule. Non, McGregor. Début de la deuxième reprise. Après, Dustin Poirier, il a. Alors, faut pas qu'il a. Attention. Ouais, peut-être l'amener au sol là. Ouais. Ah non. Choisit mieux ses attaques. Regardez la de McGregor là. C'est bien. Danse. Ouh. Un peu moins violente. Ouais, belle sortie. Maintenant, c'est lui. Et celui qui a touché. On les attaque, il a touché McGregor. Ouh. Crochet droit, crochet gauche. Il est touché. Paquet joueur. Ses coups. Il y avait toujours l'impression qu'on avait en tout oui, cas. Oui, il y a toujours ce pressing là. Quelle démonstration. Et pourtant, hein, Connor qui le dominait en vitesse sur le premier. Comme il se tient. Je pense que la jambe droite, hein, il est blessé. Hein. Il y a eu depuis 2016 pour Connor McGregor de rentrer avec un aussi gros combat. On l'a dit, il monte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la mobilité de buste qu'on avait l'habitude de voir trouver la solution. Et c'est cette frappe hein, qui a fait la différence. Là, t'es touché, mais pas vraiment déconnecté. Après, il y aura déjoué tous les pronostics. Hein. Ouais. On le voyait tous. Cette catégorie des poids légers est en train de...